Salut à toutes et à tous, c'est Akimo 3500. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous le voyez, sur Call of Duty Advanced Warfare. Je le fais super mal. Alors nous sommes en match à monnaie. Et je me suis dit, on va faire une petite vidéo en live, on va se détendre dessus, on va voir. On va se marrer. Alors vous avez vu que je suis légèrement monté de niveau, juste niveau 37. Tout ça en 2 jours. Bon, vous aurez la vidéo plus tard. Sans deux jours, faut savoir que j'ai rapport à 76 là depuis je crois depuis sa sortie et je viens de le dépasser. Donc je n'ai pas du tout joué au jeu, Non, c'est vrai que je l'ai que là depuis que je l'ai, c'est vrai que je joue beaucoup. Parce qu'il me plaît ce Call of, il me plaît. Bon, ça il me plaît surtout le petit. Alors bah, je vais jouer. Alors, est-ce que je vais jouer avec la KF5? C'est pas la map, je pense. Comeback. Ou bien je vais jouer avec la KF5. Ouais. Je pense qu'on va jouer avec la KF5. Ce sera peut-être beaucoup mieux, je sais pas. Alors, KF5 avec, je vais vous montrer, viseur point rouge, c'est viseur point rouge, poignée silencieux, handjoker, c'est le principal, c'est équipé. Profil bas qui permet d'éviter les drones. Toutes les compétences d'exosquelette qui permet de repérer. J'ai mis un invisible, comme ça je ne me fais pas repérer par je sais plus quoi. Et robustesse. Pourquoi j'ai robustesse dans cette classe? Ok. Pour avoir après, j'avais pas d'exocompétences comme vous voyez, sinon je pourrais pas mettre sur armement. Enfin, principal sur équipé. J'ai les grenades frag. Et pour. Pour tout ce qui est score streak, c'est le drone, si je me trompe pas, drone collé stratégique bombardement, voilà. Comme ça on a fait le tour. Alors hop, hop là, bonjour. Ah, il y avait un mec derrière moi je crois. Hop, allez, faut aller vite. Il y a un mec, voilà, voilà. Hop, on avance. C'est vraiment pratique les dash. C'est un truc. Je m'attendais pas à en faire. À l'utiliser souvent. Et au final, je fais que ça. Je saute, hop, dash. C'est vraiment, vraiment juste énorme. Ce Call of, vraiment. C'est vraiment. Le Call of Duty. Peut-être pas que j'attendais. Mais un bon Call of Duty, quoi. C'est. C'est très rare que je m'éclate sur un Call of maintenant. Ghost, je supporte pas à cause de la communauté. Il y a juste un qui me plaît, de toute façon vous le savez, c'est Call of Duty Black Ops. C'est le Black Ops, promis du nom. Pas le 2 parce que le 2 je ne peux pas, je ne peux pas. Toi t'es moche dans ton bâtiment. Oh comment je t'ai tué, mais comment je t'ai tué, c'est trop simple. Il y a un sniper, il y a un sniper. Ok, mais y'a du monde! Oh! Attends. Ah, merde, ma grenade est trop basse, j'aurais dû relever. Oh là là! Hop là! Alors, wow, mais y a quand même du monde en l'air là! Faut vraiment surveiller partout, c'est juste horrible. Sur le coup, ça fait un peu bizarre. Quand même, je veux dire, j'étais un petit peu déstabilisé. Quand on voit. Eh merde, putain, plus je regarde pas la map. C'est vrai qu'on est tout déstabilisé quand on regarde. Quand on regarde en l'air et tout, parce qu'on se dit les mecs peuvent aller partout, donc on regarde en l'air. On a pas l'air de des cons des fois. Hop, je préfère assurer le kill en ça, plutôt que de donner un coup de poing. Lui il est mort. Hop hop hop. KF7 quand même, elle est bien hein. Petite mitrailleuse. Ok, c'est de la merde cette arme. Allez, on va tester là. Je joue avec la K12 un petit peu. Parce que la K12 est vraiment, vraiment super puissante. Ça faut. Hop là. Par contre, j'adore comment elle lance les grenades. C'est vraiment, vraiment ultra pété. Enfin, ultra badass surtout. Ultra pété parce que pété, ça veut dire qu'elle fait gamer et tout. Elles font pas beaucoup. C'est vrai que. Faut bien les placer les grenades quand même pour qu'elles fassent mal. Bonjour monsieur.
Alors AK12, c'est pareil. C'est alors les accessoires, c'est la même chose que le KF5. Ça veut dire viseur pointe rouge, silencieux et poignée avant. Et après voilà, vous voyez les. Enfin, c'est exactement, on va dire, à peu près la même chose. Je pense pas que j'ai mis. Comment ça s'appelle? On monte l'échelle. Je pourrais utiliser le dash, mais bon. J'ai pas mis le robustesse, je crois que c'est autre chose qu'il y a dessus. Mais après, tout le reste, c'est quasiment ou. Ouais, quasiment pareil. Exactement pareil. T'as l'arme secondaire qui est différente. Là, c'est le MP443, si je me trompe pas. Donc, c'est largement différent. Ok, ok, non mais. Voilà. 8, 6, wow, ça va. Ça va. On va dire que c'est. Aïe, 8, 7. Attends, ils sont là. Ah non, ils sont. Oh non, ils étaient de l'autre côté. Zut. Hop là. Ah, par contre, juste une précision par rapport au sexe de. Mais y'a du monde! Il y a du monde. Aïe aïe aïe. Par rapport au sexe des personnages, pour les femmes, les gars, vous avez choisi de faire une actrice porno ou quoi? Vous avez pris une actrice porno pour faire les respirations? Parce que si vous n'avez pas calculé, bon là j'ai pris un homme. Mais porter l'oreille, si vous prenez une femme, quand elle est presque sur le point de mourir, c'est quand c'est rouge sur votre écran, que vous êtes voilà, vraiment sur le point de mourir, écoutez-la juste respirer. C'est juste énorme. Parce que Gérard Brez, avant, je crois qu'il a changé. Avant, c'était une femme qu'il avait. Et franchement, c'était vraiment marrant parce que la perso. Bonjour. Faisait actrice. Faisait vraiment actrice porno. Toi, lâche ton bazooka. Bina. Hop, hop là. Donc, ça, c'est un pote. On va se mettre ici. D'accord. Mais ça faisait vraiment actrice porno, c'était vraiment énorme d'y penser. Et toi t'es dans ton coin à camper, t'es pas bien. Ok, je crois qu'il campe plus. Hop, on va s'engrainer ici. De toute façon je vais tuer personne avec. Et la partie se termine. On a combien? 7 minutes? 7 minutes? Bon, 7 minutes c'est un petit peu court quand même. C'est un petit peu court je trouve. Mais c'est vrai que le fil qui calme. Alors si je me trompe pas, l'arme c'est balle. Non, c'est pas la balle 21, c'est le AX. ARX, je crois, ou un truc comme ça. Il joue avec ARX, lui. Oh, je sais plus. Comme je dis, tiens. Ça, on va. Ça, vous allez le voir partout. C'est abusé. À chaque fois que vous lancez un truc, c'est comme je dis, tiens, ça doit falloir. Vous voyez partout. Au moins, vous savez que je vais vous jouer. Ce qui peut être pratique. Vous savez que je veux jouer, vous savez que vous jouez à Call of Duty de Saint Warfare. D'ailleurs, alors, juste pour vous le faire écouter, on va prendre une femme. Elle, voilà, c'est cool. Casque, voilà. Bon, et c'est ça. Attends, on va mettre ça, c'est stylé. Là. Voilà. Voilà. On va prendre ça. Voilà. C'est vraiment classe l'exosquelette. Vraiment, vraiment classe. On va prendre ça pour ça. Juste pour vous faire écouter quand je serai sur le point de mourir. D3. Ouais, D3. De toute façon, j'ai pas le choix. Maintenant, c'est tu fermes ta gueule, mais D3. Juste pour vous faire écouter le bruit que ça fait. C'est juste magique. Vraiment génial. Voilà, rien d'y penser. Rien d'y penser. C'est vraiment, ça fait vraiment actrice porno. C'est flippant. C'est autant pour le mec, ça veut dire que c'est vraiment le mec qui souffre et tout. Autant pour la femme, je suis désolé les gars. Voilà quoi. C'est vrai, je pense que c'est le truc qui va être le plus retenu dans ma vidéo quoi. Porno? Ou ça des porno? Non, on va garder la game. La game. Oui, ou bien JB. Oui. Bravo, c'est pas la game. L'arme que tu dis. Hop. Hop là. Hop. On prépare la grenade.
Hop, on la lance. Peut-être arriver ici. Non, ça arrive pas. Ça arrive pas. Non. Aïe. J'ai mal. Docteur, je comprends pas. J'ai mal. Je sais pas si ça s'est entendu, mais non, au pire, si je me fais toucher, je ferai un petit silence. Donc, comme vous avez pas entendu la voix de la femme, c'est juste énorme. C'est vraiment méga stylé. Enfin, méga stylé. Non. Ultra pervers, surtout, mais bon. D'accord, bien ça aussi. Il y a ce moyen aussi, hein, de me faire monter au 7ème ciel. C'est beau. Hop là, petite grenade. Aïe, aïe. Mais. Si tu pouvais arrêter de me tuer, ce serait bien. Et toi, si tu peux avancer, ce serait bien aussi. Aïe. C'est bon, vous avez tous entendu le bruit. Maintenant, on repasse ce passage, les yeux fermés. Si vous allez voir le truc légèrement différent. Ah, pas vrai. Ouais, faut se concentrer, faut que je me concentre. Parce que là, c'est pas possible. Hop là. Concentrons-nous, on oublie que la femme est actrice porno, hein, dans la vraie vie. Avant d'être soldat. Hop là, voilà. Un petit kill hein, pour se relancer, ça fait du bien. Un deuxième petit kill. Encore un ? Allez, encore un. Allez. Comme on dit, jamais 203. Jamais 203, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon truc, je me casse. Toi, t'étais pas bien de te planquer. Par contre, j'ai plus de balles, donc je vais prendre ton arme. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Je sais vraiment pas ce que c'est. Ok, c'est pas mal. Alors, est-ce que je vais débloquer le bombardement? Parce que j'arrive jamais à le débloquer ce truc. Oh, mais c'est mitraillette ou quoi? Oh, j'ai plus de balles dans celui-là. Ah, il me faut une. Ah non, je te prends ça. Oh, je l'ai tué. Non, je l'ai pas tué. Allez, allez, on se concentre, on se calme. Allez, on va activer le drone. Vraiment bien, j'avais adoré le système de constring dans Black Ops 2. C'est vachement bien qu'il le réemploie. Je trouve ça vraiment très bon. Non, non, s'il vous plaît, non, 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 non. Je veux débloquer mon bombardement. S'il vous plaît, j'ai jamais réussi à le débloquer. Alors vous allez pas me faire chier. Allez. Promotion 38, c'est cool. Ouais, mais je le lance où? On va le lancer ici. J'espère que ça va pas me toucher. Bon, je parie qu'en live, en vidéo, je vais pas faire de kill. Voilà. Oh! Oh! Oh, mais une double. Bon, ben d'accord. Hop, on va lancer le collier. Hop là, de l'élimination, c'est cool ça. Avec une assistance. On va lancer une grenade. Non, mon collier, mon collier, mon collier, mon collier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, mais je le relève pas. Oh, il va me pirater. Ah, il me l'a piraté. Zut. Allez. Allez, on se concentre. On va se faire une bonne partie quand même. J'étais en positif, c'est genre bien. Faire une deuxième partie en positif. Il faut trouver d'arriver. J'aimerais bien faire un truc en positif encore, ce serait cool. Hein, ce serait vraiment sympa. Je crois que le truc que le mec a débloqué, je sais pas ce que c'est ça. Je sais vraiment pas ce que c'est. C'est bien là, tu as débloqué un colis, cool. Il y a un mec qui est passé là. C'est vrai que j'ai le dash, faut que je l'utilise. En plus j'utilisais souvent mais là je vais plus l'utiliser. N'importe quoi. Alors, les gars, si vous pouvez apparaître. Voilà. Toi t'es gentil toi. Toi t'es cool. Oh. Oh zut, quel dommage. On va faire un petit truc sympa là. Vengeance.
Mais on gagne, les gars, on gagne. Pour l'instant, on mène. Oh la grenade! Oh le bazooka! Non, pas le bazooka? Non, il m'a tué. Ah non, il m'a tué l'arme. Voilà, toi t'es pas gentil, toi. T'as tué tous mes potes. Franchement, ça doit le faire rager de se faire tuer par une fille. Mais après, il doit se douter peut-être que c'est des mecs. Je dis pas que les filles jouent pas à Call of, ça c'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a des mecs doivent prendre des filles. Ah, est-ce qu'on va... Je vais essayer de faire les cams finales. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, on réapparaît vite. Je fais la cam finale. Pour finir, les gens. C'est beau. C'est très beau. Hop. Allez, allez. Ça va, l'arme a pas beaucoup... la cato, ça a pas vraiment beaucoup de recul. 17-10. Ouais, c'est mieux. C'est quand même mieux. Mieux que tout à l'heure, que le 12-10. Mais je reste avec le 10 derrière. Ouh, niveau 38. Pam, 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 pam. Alors, j'ai bloqué de nouveaux objets. Je pensais qu'il y avait... Au début, j'ai mal lu, je pensais qu'il y avait marqué paillasson d'assassin. Je pensais, what? Paillasson d'assassin? Mais ça n'existe pas. Qu'est-ce que carnage? Ouais. On va reprendre le mec, s'il vous plaît. Il est où le mec? Je trouvais qu'il ressemblait à un autre chose. Bon, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour l'instant, on va s'arrêter là, chers amis. J'espère en tout cas cette vidéo. C'était vraiment une vidéo de détente en live. En live, ouais, 100% live. Vous me voyez vraiment comment je joue et tout. Comment je suis quand je joue. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, chers amis. Si vous voulez me suivre, il y a Facebook, Twitter et GameWedge. Sur ce, c'était Eric et moi, entre 3500. Pour vous servir.